De Dakar au bout du monde. De Dakar au bout du monde. De Dakar au bout du monde. Les femmes en migration. Un podcast du studio Bepoukaï. Épisode 1. Les raisons du voyage. J'étais payé 30 000 francs, ça fait 45 euros, et je vivais avec mes deux frères et ma mère. Je travaillais, mais on était pauvres. J'avais une copine qui était au Maroc. Elle m'a conseillé de venir. Elle m'a dit que là-bas, si tu travailles comme femme de ménage, tu peux gagner 100 000 ou 150 000. C'est beaucoup mieux qu'ici. Alors, elle m'a mis en contact avec un chauffeur qui allait au Maroc en voiture et j'ai fait la route avec lui. Pourquoi part-on ? Pourquoi décide-t-on un beau jour de quitter son pays, sa famille et ses amis pour un ailleurs inconnu ? Longtemps, les femmes sénégalaises sont parties dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre un père ou un mari. Mais peu à peu, ces migrations féminines se sont autonomisées. Aujourd'hui, de nombreuses Sénégalaises partent à l'aventure seules, par les airs, par la terre ou par la mer. Quelles sont leurs motivations ? Dans cet épisode, nous écoutons Rokhaya, Khadi et Rama qui ont migré du Sénégal au Maroc. De là, Khadi et Rama ont tenté la traversée vers l'Europe. Nous écoutons aussi la syndicaliste Famba Indoye et la socio-anthropologue Oumoul Khairi Koulibaly. Pendant longtemps, la femme migrait pour rejoindre son mari ou bien s'adonner tout simplement à des activités commerciales, aller chercher des marchandises, revenir vendre. Mais actuellement, les femmes migrent au même titre que les hommes. Famba Indoye, syndicaliste. Donc les femmes bougent actuellement, mais ce n'était pas le cas. À part la période coloniale où il y a eu des femmes travailleuses domestiques qui ont pu être amenées en Europe pour servir de domestique. Mais à part ça, dans la migration purement économique, les femmes n'étaient pas très visibles. Après les études, j'ai fait la formation en bureautique. Et après l'obtention du diplôme, j'ai fait des stages et il n'y avait pas d'embauche. C'était juste des stages. Et je croyais qu'après ces stages-là, ils devaient m'embaucher. Mais comme il n'y avait pas d'embauche, j'avais une copine qui était au Maroc. Elle m'a dit que le salaire que tu gagnes ici, tu vas avoir le double en venant au Maroc. Parce qu'il y a des travaux là-bas et ils payent bien. Et il y avait aussi mes frères qui étaient dans le besoin. Ma mère était décédée. Je peux dire que j'étais l'aînée. Et ce que je gagnais, ça ne suffisait pas pour satisfaire tous les besoins me concernant et aussi pour mes frères et sœurs. Donc c'est ça qui m'a motivée à partir, à migrer au Maroc. Tu vas te lever, tu n'as même pas pour quoi à manger. Tu vas regarder ta famille affamée. Non, tu vas être obligé d'aller chercher vie meilleure. Comme on dit chez nous, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et même pour changer de statut social, on a besoin vraiment d'avoir quelque chose en main, quelque chose dans la poche, quelque chose à la banque. Et ce pouvoir économique-là, les femmes en ont conscience. Et actuellement, les femmes sont dans la recherche de ce pouvoir-là. Parce que même pour accéder à certaines choses, pour pouvoir compter même au niveau de sa localité, il faut avoir un certain statut. Donc c'est pourquoi la migration étant un des aspects ou des voies pour changer de statut social, les femmes aussi tentent l'aventure. Voilà, tout simplement pour pouvoir, elles aussi, avoir le pouvoir. Aller à la découverte du monde, ne plus être tout simplement des sujets. Voilà, ça aussi c'est une cause et qui est bien présente. C'est un besoin d'émancipation aussi. Il y a certaines qu'on oblige ici au pays de mariage forcé.
parce que j'avais une fille, paix à son âme, elle est restée dans l'eau. Jusqu'à présent, je n'ai pas ses nouvelles. Elle a pu fuir sa famille parce qu'on voulait la marier avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Elle était obligée de quitter sa famille, de voyager sans que sa famille sache qu'elle était là-bas. On ne peut pas résumer les raisons migratoires à l'économique. Oumoul Khairi Koulibaly, socio-anthropologue. Pour moi, dire cela, c'est passer à côté de tout l'imaginaire social, les représentations sociales qui sont derrière la migration et qui parfois n'utilisent l'économique comme un prétexte. Et surtout aussi, l'économique peut être causé par d'autres raisons. Je donne juste, peut-être au Sénégal, on peut ne pas voir ça. La fille qui vous a ouvert et qui est venue me dire qu'elle ne comprend pas parce que vous parlez français. Et les Burkinabés. C'est la troisième fille burkinabé qui travaille chez moi. Il y a le boy, je ne sais pas s'il est parti, il était là tout à l'heure. C'est un Malien. On va nous dire que ces personnes-là sont venues pour des raisons économiques. Oui, mais ces raisons économiques, ou d'autres soubassements, elles, sa région comme le boy, c'est des régions où il y a l'insécurité. Donc, il y a les questions de terrorisme. Il y a aussi, pour certains, c'est lié aux effets du changement climatique. Donc, l'économique n'est que la partie visible. Pour comprendre les raisons migratoires au Sénégal, tout le monde va vous parler de l'économique. Mais quand on voit quelqu'un dépenser 5 millions, 6 millions pour partir, ou bien entendre un commerçant nous dire qu'il est prêt à payer 10 millions pour partir, c'est quelqu'un qui a, des magasins. Vous savez ce qu'il nous a dit? Quelqu'un qui revient d'Italie avec 1 million est plus valorisé socialement que lui qui est resté et qui gagne 10 millions. Dans ma thèse, j'ai utilisé, pour parler de cet imaginaire-là, le verbe « monter ». Nous, quand on était jeunes, ados, à Amitié 2, on entendait dire « tel est monté ». Au Sénégal, on dit « yegne ». Quand on dit « monter », c'est au sens propre, au sens figuré. Parce qu'on monte, on prend l'avion, on part. Mais aussi, du moment qu'on est parti, on considère que, socialement, on a réussi. Donc, c'est pour ça que moi, je parle toujours de réussite socio-économique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de proverbes, y compris Poulard, qui disent que quelqu'un qui voyage a toujours quelque chose de plus que celui qui reste. Donc, ce qu'il faut noter, il y a les raisons économiques, il y a les raisons familiales, il y a les raisons étudiantines. Mais il faut considérer que les raisons sociales sont transversales à tout cela. Que la frontière n'est pas aussi étanche que cela. Et que raisons familiales, raisons économiques, raisons sociales s'imbriquent. Vous venez d'écouter le premier des 7 épisodes de la série de Dakar au bout du monde, des femmes en migration. Un podcast du studio Epukai en partenariat avec la fondation Heinrich Böll Sénégal. Merci aux différentes intervenantes, à commencer par les voyageuses Rokhaya, Khadi et Rama. Merci aussi à la syndicaliste Famba Yendoy qui est en charge des questions de protection sociale et de migration au sein de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal et qui est également la présidente du réseau d'appui aux femmes et enfants en migration. Merci enfin à la socio-anthropologue Oumoul Khairi Koulibaly, enseignante-chercheuse à l'École supérieure d'économie appliquée de l'Université Charanta Diop de Dakar. Prochain épisode, l'Odyssée d'Aïssatou.